Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans ce nouvel épisode consacré à Fallout Tactics et probablement donc le dernier de la série, du moins de la série Tactics. Donc nous étions quittés juste auparavant sur la destruction de la porte d'entrée avec une tête nucléaire de l'abri zéro. Et donc là aujourd'hui nous allons nous atteler à nous débarrasser de l'ordinateur central. Donc tout le monde est plus ou moins en vie. Essayer de discuter avec eux, voir s'ils ont des choses à me dire. Ils ont pas grand chose à me dire, par contre ils ont des choses à échanger. Ah ça c'est pas mal. Alors est-ce qu'on a récupéré du coup, je crois que j'ai même pas récupéré le matos parce que je me suis dit que ça servait à rien. Est-ce que là, je peux vendre des trucs? 800 balles, j'ai le droit à quoi? J'ai pas le droit à grand chose. Bon, on verra plus tard. Ok, ils ont tous des trucs à vendre ou comment ça se passe? Il ne parle pas. Lui, il vend des trucs. Petite grenade de... ouais, une petite grenade UVM, c'est quand même bien pratique. En fait, ils vendent tous des trucs. Bon, bon on verra. Truc scientifique. Parfait, je suis scientifique. Science. Merci d'avoir utilisé un terminal d'information de l'abri zéro. La température actuelle est de 23 degrés avec un taux d'humidité de 20%. Transfert d'informations sur le système Pip-Boy terminé. Bonne journée. Ah oui, c'est vrai que utilisez les informations fournies par les terminaux pour accéder à l'aile de sécurité ouest. Essayez de passer par les zones de cryogénie ou par le générateur électrique. Bon bah ça c'est fait. Ouais je m'y attendais pas trop. Ok. Bon bah Roll t'as gagné du soin. Ça ça fait quoi? Bon, genre le suicide quoi. Bon bah bien bah voilà on va pouvoir récupérer. Mais ça c'est typique que ce jeu à la con quoi. Pardonnez-moi mais le gars il tient n'importe où. Genre les autres derrière ils prennent gros dégâts. Faut arrêter l'hallucination quoi. C'est le seul truc qui me manquera pas trop dans le jeu quoi. À le revendre pour acheter de la munition. Enfin, plutôt pour acheter ok, il veut pas sortir mais... du coup, je sais plus qui c'est qui me vendait. Alors combien est-ce que je peux me faire? Ah bah, ouais, se faire plaisir. 10 000. 10 000, je peux même peut-être récupérer.
récupérer ça là. Tout. De toute façon, ça ne servira plus à rien. Parfait. Bon. Pouvoir avancer. Donc il y en a un là et un là. On va changer un petit peu de scope. La l'idée commence. Comment... Lui c'est tendu parce que lui il va vouloir me buter. Et après il va se relever. Donc je vais éviter quand même les dégâts collatéraux. Bien pourri. Légendaire discrétion. Cours. Oh putain. La bonne vieille attaque suicide. Ok. Donc on va dire que là tout est clean. Si crash, je vais dire de faire un peu de... Oui, alors attendez, hop. J'oublie pas de mettre mes points. Donc... Clairement. On va augmenter les armes énergie. Pom 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 pom. Ça je m'en fous un peu. Quelle force aussi. Perception, je suis héroïque. Non, ici et maintenant. C'est trop tard. Aussi éclaireur, non, ça c'est trop tard également. Tireur d'élite, ça peut être sympa. On va parler de tir sur du tireur d'élite, et pareil, on va augmenter. Je clique à côté, on va augmenter en fond ça. Bon, on va se mettre en ici. Mademoiselle, donc elle, elle a pas d'arme. Comment continue à augmenter ça? Pour monsieur, 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 qu'est-ce qu'on va lui mettre? Pom 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 pom. Allez, coup critique. C'est des armes à énergie, sinon. Oh, si, c'est des armes à énergie. C'est trop magnétique. Lui, il me sert plus trop à grand chose en fait. C'est la mule. Et lui, on va augmenter les armes à énergie également à fond. Et on valide. Voilà. Bon, très bien. Cramnard. Donc ici on a la sécurité, power, cryogenics. Je pense que sécurité ça va pour aller voir le super ordinateur, peut-être ça. Donc il va falloir passer par ici. Scanner dentaire.
scanner dentaire. C'est une verrouille. Clé nécessaire. Ok. C'est ici. C'est genre verrouillé, je peux pas la déverrouiller. Ok, donc là tout est verrouillé. Est-ce que j'ai raté un truc? Clé nécessaire. Merde, j'ai l'arrivée, faut que j'ai une clé. Ah, c'est peut-être pour moi là-bas. Là, si je suis. Crochetage. Ça va me faire un. Ça, c'est pas bon signe. Est-ce que du coup j'aurais raté quelque chose? Truc dentaire. Truc scientifique, ouais, ça aussi. C'est déjà activé. Ça a besoin d'une clé. Scanner dentaire. C'est intéressant. Ok, ok. Donc, il doit y avoir quelque chose à aller chercher pour ici. Tout le monde en position. En accroupi ici, ça dégénère. Puis on va vous mettre tous les deux ici. Donc. Ok, donc là je peux le niquer ici. On va pas se faire chier, oui, il est au sniper. Hein. Vraiment pas s'emmerder, hein, je vous le dis. Ça me rappelle un niveau. Merde, des alarmes et tout. Bon, à mon avis, de toute façon, avec la tête nucléaire que je fais péter à l'entrée, les robots ils doivent se douter plus ou moins qu'il doit y avoir un petit quick de part même. Pareil, mitrailleuse Vindicator. La limite, en fait, c'est une mitrailleuse qui touche jamais la cible qu'elle veut toucher, et elle élimine tout ce qu'elle a. Donc on sait comme ça, il n'y a personne derrière, on fait du one-one classique. Et
Et généralement, ça passe comme papa, genre maman. Ça m'étonnera à moitié qu'il y ait un truc ici. Apparemment non. On sait qu'il y en a deux. C'est clean. En soutien. Bon, il gère. Ok, un petit peu plus. Il va venir t'éclater la gueule. Pour faire venir le renfort, normalement on doit plus avoir trop de soucis. Allez, allez. Voilà. Ça va être. Oh, plus de munitions. Shit. Ça souffrance. Ok. On prend souffrance, on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Hop, 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 hop. Moi j'en ai pas, par contre, lui d'en avoir. Merde, j'en ai plus non plus. C'est normal, de toute façon je suis passé. Ok. La souffrance 300. Panique. Comment ça? Ça a pas marché? Ils sont partis où le bal là, con. Putain, c'est pas possible. J'ai une aile alors.
que je disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je disais. C'est qu'en fait, là, lui, il a visé Ika. Il m'a enlevé que Pouic. Ensuite, il m'a vu passer, il m'a visé et il a juste défoncé derrière Farsight. Il y a des trucs, des fois. Je suis là qui a codé cette partie-là. Putain, je le maudis. Je le maudis, lui, sa famille. Parce que clairement, tous les steampacks que j'ai utilisés dans cette partie, c'est largement dû à ça. Quoi. Et bon. C'est la dernière mission, on va se prendre la tête, on tue du robot, ça fait plaisir. On va se rapprocher un peu, on va monter le pourcentage de toucher. Pas mal. Ah. Oh, c'est juste une. Il lui faudrait un doc tout le temps à son cul. En fait. Foutu goule. On a reste de la munition pour pas faire ça. Ouais, 500, ça devrait être bon. Putain, je suis de la surcharge. Ouais, j'en ai un petit peu en stock. Voilà. On va renvoyer les Ubozo. Hop. Pouah. On a tout bien nettoyé là. Okay. On va essayer de voir un peu ce qui se passe dans le coin. Bon voilà, bah c'était la cantine des robots. Bon, avec l'alarme en fait ils sont tous venus je pense. Donc ça doit plutôt être tranquille maintenant. Je vais juste essayer de s'en assurer. Ah non mais c'est bon, c'est ouvert. J'ai pris un niveau. Intéressant. Je suis le seul. Ok. Bon, écoutez, ça va être plutôt calme ici. On va avancer. La console de l'alarme, son alarme a été sonnée, donc on aurait pu être emmerdé. On a un terminal ici. Il y a un méga robot de la mort qui tue là. Donc ce qu'on va faire. On va faire ça.
Ok, donc là c'est nettoyé. Scientifique. En fait, la science, ça sert vraiment dans les derniers niveaux. Je ne vois pas quelle arme il a. Voilà, finis-le. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Ah bah si, ça, attends, putain, je suis con, c'est plus facile. Bien sûr. Tue la munition. Du loot, on veut du loot. Donc tout a l'air d'être fermé. S'il y en a un qui est fermé, le reste devrait l'être aussi, non? Allez, crochetage. Échec. Ça, je vais le prendre parce que je pense que ça va finir par m'être utile en fait. Ça fait plusieurs fois que je le vois. Là, mais ça... Échec. Je prends même si je les aime pas. C'est pas mon préféré en Steam Pack, ceux-là avec l'effet de dépendance derrière qui modifie les stats. Des bouquins. Ouais, honnêtement, je suis quand même pas trop mal. Je peux pas me faire chier avec ça à ce moment-là. Je reviendrai si j'en ai besoin, notamment peut-être celui de science. Ah ouais, j'ai déjà des... grenade à impulsion. Ça n'est pas trop mal. Crava, elle est ici. En termes de disposition. On a une tourelle. Parfait.
essaye de niquer rapidement. Ok, derrière là. La première étape s'est plutôt pas trop mal passée. Clairement, dans ce cadre-là, on sait que l'équipement Utica est le meilleur pour forcer dans le mobile. Donc ça passe, ça encaisse rapidement. Il faudra éviter les critiques. Ok, voilà, ça s'est très bien passé. Donc là, on va pouvoir continuer à avancer. Okay, donc là, il n'y a rien à fouiller. Est-ce qu'on peut aller par ici? Ça nous emmène nous ici. Ah ouais, ok, après ça nous ramène là. Donc c'est par ici, il faut que j'aille. Très bien, donc ça veut dire qu'il va falloir... Peut-être que... Là, il y a la... Et la tourelle ici. On va pas prendre de risque à se prendre des dégâts stupides. Semble compliqué. Attends, je sais pas pourquoi j'ouvre ici, ah, s'il y a des trucs. Semble compliqué. Apparemment, je suis pas assez en projetage. Ça semble compliqué. C'est con ça. C'est même pas échec en fait, c'est vraiment un semble compliqué quoi. Ouais, c'est que j'ai pas assez de. Pas assez de skill. On repassera plus tard, peut-être que ça sera déverrouillé. Bien pigeon. Dégage, 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 dégage. Je pense pas qu'il allait pouvoir passer, c'est quoi. Stop, 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 stop. Donc là, il y a un petit peu de robots dans le coin quand même. Ça j'utilise un max de trousse de soins et je suis toujours aveugle. Merci. Je vais pouvoir passer. Est-ce que ça c'est pas gagné par contre? C'est connerie. C'est vraiment pas gagné que je puisse passer. Ah, est-ce que je peux le faire péter?
son pote. J'espère qu'on va pouvoir passer. C'est bizarrement ce que je pensais. Putain. Comment je vais faire hein? Comment vais-je faire? Sous-titrage Société Radio-Canada.